j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour nouvelle box. Et oui, alors je suis trop contente parce que du coup, j'ai non pas une mais deux box à vous montrer. Donc en fait, j'ai la Glossy Box de janvier et j'ai la Beautiful Box de janvier. Et du coup, je me suis dit que ça serait trop dommage de faire deux vidéos. Alors c'est parti pour l'unboxing. Donc j'avais envie de commencer par la Beautiful Box. Pourquoi? Parce que déjà un package de folie. On a des serpents trop jolis. Ça fait un peu serpent chinois mais je kiffe. On dirait plein de petites fleurs, je sais pas si c'est des fleurs de lotus et tout, mais enfin ça y ressemble vachement. Et en plus on a plein de dorures. Voilà, enfin vous le voyez peut-être mal, mais c'est trop mignon, c'est doré, c'est en 3D, je kiffe. Et donc le secret numéro 1, New Nude, c'est le thème de cette box. Et donc du coup on va voir ça de suite si le thème il respecte totalement. Enfin si le thème est respecté. Ça commence déjà bien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 5 produits et a priori plus un goodies. Ça j'aime bien. On a un petit spoil, alors que si comme d'hab, ouais c'est ça, c'est la petite feuille. Donc là, ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'on n'a pas de carnet. Moi j'aime bien avoir un petit catalogue et tout à lire en fait quelques instants, parce que je les lis vachement vite, mais j'avoue que ça fait un petit peu radin. Donc bon, c'est joli, mais c'est un petit peu radin, voilà, sachez-le. Et ensuite on a un certificat d'authenticité. Voilà, donc en fait c'est quoi? C'est pour la bague ajustable The Snake. Bon, donc le goodies c'est une bague, on est content. Doré à leur fin, créé avec passion en exclusivité pour la Beautiful Box Bio Féminin New Nude, ce bijou unique et délicat s'enlace sensuellement à votre doigt. Ouh, c'est mignon. Déployant ses miroitantes écailles dorées au rythme de ses ondulations de démoniaque serpent, ne cherche-t-il pas à vous hypnotiser? Prenez garde à son emprise. Donc on sait que c'est une bague et qu'en plus de ça, c'est un serpent. Au moins, c'est réglé. Je l'ai dans les mains. Voilà. Elle a l'air toute chouquinette. Alors déjà, je trouve ça trop mignon cet emballage. Ça change un peu des petites boîtes là qu'on sait plus quoi en faire à force. Ah oui, elle est trop belle. Elle est trop chouquinette, regardez-moi ça. Elle est toute fine. Elle est... Non, franchement, j'adore. J'adore. Et ça va. A priori, on peut la régler. Alors attendez, on va enlever la mienne. Parce que j'en ai déjà une. Voilà. Yeah! C'est pas mal. Écoutez, c'est chouquinou. J'aime bien. Pourquoi pas? C'est... à voir. Je sais pas. C'est... comment dire? En fait elle fait un peu cobra et je sais pas. En fait les bagues serpents, moi avant à une époque hein, j'adorais ça, mais je suis plus dans les étoiles en ce moment donc voilà, donc du coup je préfère remettre la mienne, c'est des petites étoiles, je préfère. Ensuite premier produit, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est la marque Bio Beauté Nuxe, donc ça c'est pas mal, c'est une eau démaquillante micellaire à l'eau d'orange, visage et yeux. J'ai du mal avec les eaux démaquillantes hein. C'est... je suis dans mes crèmes moi, j'adore les crèmes, j'ai la crème démaquillante L'Oréal. Je préfère en fait. En plus, elle pue. Oh, j'aime pas du tout. Ok, ça c'est fait. Bon, c'est pas mal, c'est un petit format, mais ouais, c'est pas pour moi. J'aime pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, bien! Alors, c'est Divine Beauty. Je connais cette marque, je l'adore. J'ai déjà reçu un highlighter. Et là, c'est un blush qui peut aussi servir de lipstein, qui peut aller sur les lèvres aussi. Apposer une légère noisette pour un effet bonne mine instantané sur les lèvres et aussi appliquer au pinceau ou au bout du doigt pour un fini glowy naturel. Cool. On va tester ça. Ah oui, enfin, je veux bien que ce soit naturel, mais alors c'est vachement rose. Hein. Pouah, c'est même beaucoup très rose. J'espère que... ah non, ça va, ça s'estompe. Bon, écoutez, oui, ça va. Parce que regardez, on le voit déjà presque plus. Ça, il s'estompe beaucoup. À voir, à tester dans un look, un tuto à l'occasion, et pourquoi pas. Mais il fait vraiment naturel, ça c'est clair. Ensuite, on a quoi? On a une crème pour les mains. Ah, ça j'aime bien, ça c'est cool. Donc la marque aussi, Bio Beauté Nuxe. Et donc du coup, c'est une crème haute nutrition pour les mains sèches à très sèches, et c'est du 30 ml. Alors là, moi je suis super contente. Ah, oh, elle sent super bon. Ouais, alors ça c'est cool parce qu'on a toujours besoin de crème pour les mains, surtout moi en ce moment j'ai les mains défoncées. Donc ouais, ça sera très bien de pouvoir avoir une crème dans mon sac à main. Encore une, j'en ai plein mais je les mets pas, j'y pense pas en fait. Ensuite, oh joli, donc c'est un vernis qui est de la marque Eden. C'est marqué fruits défendus et ouais, c'est un petit vernis sans allergène qui vient d'Italie. Cool. Ouais, il sent... ouais, ça sent le vernis. On va essayer ça. Ah oui, c'est un beau nude. Bon, je l'ai mis sur mon vernis à moi qui est tout pourri, mais c'est un très beau nude. Écoutez, pourquoi pas. J'aime bien. Je vais m'enlever mon vernis que j'ai actuellement et je vais le mettre, celui-là. Il est joli.
Franchement, là, c'est, ouais, gros coup de cœur. Il est super joli. Donc ça, c'est une super idée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Soins capillaires sans rinçage de la marque IASO Paris. Je connais pas du tout. Et donc, c'est à la kératine végétale et aux extraits de pommes. Et bah, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Et bah, cool, parce que j'en ai toujours besoin, moi, de ces choses-là. Soins capillaires sans rinçage. Alors, par contre, est-ce que c'est marqué comment on s'en sert? Pour sublimer vos cheveux, appliquez ce soin sans rinçage sur cheveux secs ou humides. Une noisette sur la longueur et les pointes suffira à leur redonner brillance et vitalité. Cool. Et ils sont super bons. Ah ouais, ils sont super bons. Écoutez, super idée. Là, je suis contente. Et en plus, c'est un 75 ml. Enfin, on a un gros produit. Enfin, on a un full size. Full size. Enfin! Alors là, je suis contente. C'est vraiment une super box. Ça rattrape les produits que j'aime pas. Mais bon, après, c'est parce que moi, j'aime pas que enfin, tout le monde n'aimera pas. Mais super box, totalement dans le thème. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus, le goodies, le bijou, c'est un côté petit plus. Après, bon, je suis plus argent qu'or. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est pas un gros coup de cœur. Mais bon, c'est une jolie bague. Et puis moi, je sais que je trouverais forcément quelqu'un à qui l'offrir. Donc ça peut être une super idée de cadeau aussi, quoi. Pourquoi pas. Mais, et en plus, bah, le certificat d'authenticité, c'est cool. Voilà, on est content. Donc bref, contente de cette box et c'est parti. On passe à la Glossy Box. Alors, la Glossy Box, ouf, elle est super lourde. Est-ce bon signe? Telle est la question. J'en ai aucune idée, mais elle est vraiment, vraiment lourde. Donc, le package. Que dire? Rien. Package rose, normal. Alors, avec Glossy, c'est soit tout ou rien. C'est un mois sur deux, il me semble qu'on a un beau package. Et l'autre mois, c'est package pourri. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est lourd, donc c'est bon signe. Pour ma part, ça doit être bon signe. Alors, on a quoi? On a, comme d'hab, le spoil. On va dégager direct. On a Best Secret. Cool. Invitation exclusive. Cool, mais... ouais, ce Armani, Dior... Cool, on a 15%, mais bon, il faut claquer 1000 balles. Donc, on va laisser tomber. Et donc, c'est parti pour l'ouverture de ma jolie Glossy. Et je vais faire comme d'hab, je vais piocher dedans. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, premier objet, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Airbase High Definition Airbrush Makeup. C'est un color correcteur vert. Là, je suis contente. Parce que moi j'ai des grosses rougeurs, je suis super contente d'en trouver enfin un qui pourrait peut-être aller sur mes rougeurs. Donc c'est à mettre après la crème de jour, avant le fond de teint il me semble. Je vais vérifier et après on poudre le tout. Mais honnêtement, là je suis contente. Ce premier produit tip top. Je connais pas du tout cette marque, mais j'ai besoin d'un correcteur. Et ça c'est Sophie qui arrive, comme d'hab, voilà. Et j'arrive. On continue, du coup qu'est-ce qu'on a? Sophie est partie. Produit carré. Oh, trop bien! Alors, c'est une Natural Konjac. Alors, en fait, c'est une éponge. Et c'est génial. Moi, j'en ai déjà une. Donc, c'est Spa to You, la marque. A priori, pure Konjac végétal fibre, 100% vegan. Ah, je suis contente parce que franchement, j'en ai toujours besoin. J'en ai déjà une actuellement dans ma douche. Et elle, enfin, là, elle arrive à la fin. Ça fait genre un mois et demi, deux mois que je l'ai, mais elle commence à s'effriter. Donc, du coup, j'en ai marre. Je vais la changer. Alors, ça tombe très, très bien. Là, je suis super contente. Donc, en fait, il faut la mouiller. On met le produit, on nettoie avec l'éponge et puis après on rince. Mais oh non, j'adore. Ah, je suis contente. Super deuxième produit. Ensuite, troisième produit. J'ai triché, j'ai regardé ce que c'était, j'avoue. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un Nail Medic. Donc c'est un pour nail et cuticules énergisant, régénérant et c'est du 15 ml. Donc d'après ce que je pense, il faut mélanger les deux produits. Voilà. Et après, donc, il faut le mettre sur les cuticules, sur l'ongle, pour que ça pousse plus vite, que ce soit plus dur et tout et tout. Ça, c'est bien. C'est très bien pour le cocooning. Moi, je suis super contente. Là, honnêtement, je pense que c'est une super box parce que les trois premiers produits, ils me conviennent parfaitement. Donc là, je suis contente. Glossy Box, vous remontez là. Je suis contente. Ça vaut le coup d'être abonnée. Quatrième produit. Ah. Oui, bon, j'ai parlé trop vite. Donc, c'est la marque Clavi Paris. C'est une eau micellaire. Et bon, elle est cruelty free. Il y a 20 ml. Mais comme je vous le disais avant, j'ai du mal avec les eaux micellaires. J'ai vraiment beaucoup de mal. Mais c'est pas grave. Allez, on passe sur le produit. Ah ouais. Et voilà le gros produit. The big produit. Le full size en toute sa splendeur. Donc, en fait, c'est du 200 ml. C'est la marque Topicrème. Donc c'est pour les peaux atopiques, c'est un baume émollient, visage et corps, il est hypoallergénique et c'est pour les peaux sensibles, très sèches et atopiques à démangeaisons et irritations. Alors, et c'est pour tout le monde, nourrissons, enfants, adultes. Oui, et donc c'est pour visage et corps. Alors là, je suis super contente, c'est une super idée.
Topi crème, je suis pas pour, mais je suis pas contre. En fait, j'ai eu un souci à l'époque avec une crème visage et du coup, ça fait genre plus d'un an. Et du coup, j'avais plus jamais utilisé la marque. Par contre, j'ai une peau qui me tiraille énormément. J'ai la peau des gens, d'ailleurs, essentiellement. Je pèle, j'ai une peau très sèche et très déshydratée. Donc honnêtement, vu qu'il n'y a aucune crème qui arrive à me satisfaire, je vais l'essayer et je vous en dirai des nouvelles. Mais ça a l'air d'être super et honnêtement, si elle marche, les 200 ml, c'est que du bonheur. Parce que c'est déjà tellement chiant de trouver une bonne crème, alors si en plus elle est géniale, celle-là, trop bien. Du coup, désolée, j'ai pas pu vous montrer Sophie en vidéo parce que j'ai pas osé lui imposer. Là, elle est venue boire le café, elle voulait pas rester longtemps, donc je voulais pas l'embêter avec une vidéo. C'est déjà, sachant que moi, quand je fais une vidéo, ça prend 3 heures, hein. On le sait maintenant. Puisqu'en plus, il y a beaucoup de choses des fois que je reprends. Alors, le correcteur, déjà, celui-ci, il est à 16,75€. Donc rien qu'avec ça, la box, elle est payée. Ensuite, le Topi Crème, c'est 20,10€. Donc on a déjà 30 balles de produit. Et là, rien que l'éponge, elle est à 10€ aussi, quasiment, 9,90€. Donc là, on a déjà 40 et quelques. Donc que dire de plus? Celui-là, il est à 6,80€. Et si je trouve le dernier produit Clavie, voilà, 90€ les 50 ml. Ah non, c'est pas le bon produit que j'ai regardé. C'était la crème de jour. Et moi, j'ai quoi? Une eau micellaire. L'eau micellaire, elle est à combien, s'il vous plaît? Je l'ai pas. Ça veut pas me le dire. Bon, alors l'eau micellaire, aucune idée. Et ensuite, on a quoi? Ah, on a l'horoscope chinois. Donc, c'était sous le signe de ça, en fait. De l'origami, voilà, j'ai cherché le mot. Alors, l'horoscope chinois dit quoi? Moi, je suis dragon. Apprenez à saisir les opportunités et ne fuyez pas vos responsabilités. Profitez de la nouvelle année pour mettre de l'ordre dans vos finances et vous concentrer sur les projets qui vous passionnent. Je suis en train, c'est justement mon but. Vous ferez de nouvelles rencontres sur le plan autant affectif qu'amical, mais réfléchissez bien aux décisions importantes que vous aurez à prendre. Waouh, j'ai peur. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien. Franchement, la Glossy Box, que dire de plus si ce n'est qu'elle me convient parfaitement. Je suis super contente. Honnêtement, que ce soit maintenant la Beautiful Box ou la Glossy Box, je suis très contente des box de janvier. Résultat, bon, je me suis désabonnée, mais je pense que je vais me réabonner sûrement pour le mois de février parce que j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui va se cacher derrière. Pour la box de février, c'est quoi? C'est le thème Girl Bang pour la Glossy Box. Donc pourquoi pas, ça donne envie, on verra. Mais comme d'hab, je vais aller voir les spoils. Si ça me plaît à peu près, je vais commander. Si ça me plaît pas, je laisserai tomber pour ce mois-ci. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai vu qu'on m'a demandé en fait un tuto pour le maquillage, le make-up que j'avais pour la vidéo du concours. Donc c'est promis, celle-là, elle viendra. Je sais pas encore quand, mais elle viendra, c'est promis. Et du coup, bah en attendant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Le concours est encore actif hein, jusqu'au 14 février, donc profitez-en, partagez, faites-le, parce que honnêtement, vous avez tous une chance de gagner. Et sur ce, et bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, promis, il y aura encore des surprises qui vont arriver. Allez, des bisous.